On va voir. On va voir, on va voir. Steam, je sais que c'est beaucoup tes styles de jeu, ça. Donc voilà, ça se présente comme ça, très rétro. Réveille-toi, Teddy, réveille-toi. Il est temps de se réveiller. Bon, si l'anglais est comme ça, ça va le faire. Hein. F to continue. Ah, ça y est, je crois que ça s'est mis en manette. Ouais, c'est bon. Teddy, le masque t'appelle. Ok, je crois qu'on joue à un clown, hein. Ouais. Je vais... I will serve, ça veut dire quoi? Je vais le servir. Va dans la cave, Teddy. Je t'attends. Ah, c'est coupé. Ah, c'est chiant. Ah ouais, la capture s'est remise... D'accord. Ok, en fait, t'avais la capture pour le menu et t'avais la capture ensuite pour le fenêtré. D'accord. Ok, c'est parti. Ok. RB pour voir les objectifs actuels. Donc voilà, trouver la cave. Oula! Ouais? Donc il y a beaucoup de refs cinématographiques, jeux de... Enfin voilà. Je pense que ça se voit, mais... Genre on dirait le clown de ça. On dirait le petit truc de Saw. Salut Ryusan! Ah, t'as déjà la motion sickness, Mocha? Y pour ouvrir l'inventaire. D'accord, on va avoir des objets. Ça fait très... vous savez à quoi ça me fait penser? Très ambiance Maniac Mansion. Le gros pixel art comme ça. Ah, c'est comment il marche? Oui, mon costume est bientôt fini. Je vais vendre beaucoup, beaucoup de crème glacée avec ce costume. Quel gamin n'aime pas les clowns? Bah, moi déjà, je suis pas une gamine, mais j'aime pas les clowns. Je pense qu'il y a beaucoup de refs, ouais, Ryusan. C'était quoi ça? On dirait qu'il y a du bruit à l'extérieur. D'accord, ok. T'es qui, toi? Oh là! Ah, c'est The Mask! The Mask! Ah oui, je peux lire tes pensées maintenant. Veil, je sais plus. La malédiction, peut-être? Attends. Je comprends ce que... Ah, voilà. Je comprends ce qu'il veut me dire, j'arrive pas à le traduire. En gros, il y a un voile qui s'est intégré à mon esprit. Il y a un voile dans mon esprit, du coup. Et maintenant, on est lié, Teddy. Et pendant que tu le portes, ce masque, tu vas me servir. Et partager mon pouvoir. Commençons le super travail que nous allons faire ensemble. Pas très bien? Ouais, c'est vraiment une ref à The Mask, c'est trop chouette. Pourquoi est-ce que tu t'étrangles encore? Ton destin ne sera pas inchangé. Des nièdes, je sais jamais, accès refusé. Ça ne veut rien dire, ton destin. Pourquoi est-ce que tu luttes? Ton destin ne sera pas. Bref, pourquoi tu résistes? Dans tous les cas, on est liés l'un et l'autre. Ça changera rien, en gros. Oui, je suis désolée. Maître, je vais vous servir. Retrieve, je sais plus, je manque tellement de vocabulaire, c'est horrible.
Va chercher ta scie et détruis ces planches. Ok. Je peux récupérer ça? Ah, je n'ai pas la bonne bougie, d'accord. D'accord, il faudra récupérer des bougies. Merci de me corriger. Mais au moins, le fait que vous me corrigiez, après, ça va me permettre de pouvoir justement... je m'en rappellerai, en fait. Le fait d'avoir lu votre traduction que vous me corrigez, fait que du coup, après, c'est intégré. Ok, j'ai une bougie sur... on dirait un genre d'escape game en même temps. Ah, mais c'est ça, Ryusan. Parfait, hein. N'hésitez pas à me corriger. Y a vraiment aucun problème. Au contraire. Ah ouais, c'est ça. C'est typiquement un escape game, en fait, hein. D'accord. Ah, faut que je recrée très certainement le monsieur, non? Ouais, c'est Didier. Est-ce que du coup c'est dans un certain ordre précis? Ça a l'air, hein, ça se redescend pas. Est-ce que j'aurais piffé? J'ai piffé! Waouh, trop bien! Je pense que c'est ça, c'est un escape game, mais sur plusieurs ambiances de. Bah, trop cool, on va jouer ensemble! Bras, jambes, tête. J'ai pas compris non plus la logique, moi. En tout cas, j'ai récupéré la deuxième bougie sur quatre. Ça brute force, comme tout, hein. Silent Hill, pareil, ça a été brute force. Ok. Ok. Est-ce que je peux rentrer ici? Non, toujours pas. Là, j'y suis allée, j'ai récupéré la bougie. Il m'en manque deux, il m'en manque deux. Je suppose que la scie se récupère une fois que j'ai récupéré les bougies. Est-ce que j'étais allée là? Ouais. C'est bizarre que je revienne autant en arrière. Ceci dit, il y a des portes que j'ai pas visitées, hein. Ah bah non, je reviens au début là. Ah tiens, il y a une bougie là. Ok. D'accord, ok, facile. Et il me manque une dernière bougie. Alors, je vais juste vérifier si au bout de la salle. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas que le rideau de douche à changer, je pense. Là, je peux pas y aller. Ok. Là, je peux pas y aller. Est-ce qu'il y a une petite porte que j'aurais pas fait? Attends. Là, j'y suis allée, mais si je continue à droite de cette porte? Non, y a rien. Ok. Je vois pas où est la petite bougie, la dernière. Il manque une bougie violette, a priori. Attends, parce que du coup j'ai ouvert cette porte-là, mais si ça se trouve, il fallait que je continue. Ah, c'est trop bizarre. J'ai bien tout visité pourtant. Ah, attends, ici. Ah, voilà.
quand je me disais, attends, c'est bizarre, on peut pas rentrer dans des endroits. Ok, vas-y, c'est parti, je récupère ma scie. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça, pas le clown. Ça, la scie. Vas-y, je coupe. C'est pas mal les animations et tout, j'aime bien. Oh non. Tu l'entends, Teddy? Le masque t'appelle? Oui, j'entends. Je l'entends m'appeler. Mets le masque, Teddy. Sans ce pouvoir, et tu seras récompensé. Et re-Babylone. Vas-y, The Mask. Oh là. Bien, très bien. Maintenant, viens plus près. J'espère te revoir, Teddy. Oh là, Teddy, il fait un peu plus peur maintenant. Oula, faut que je me batte. Attendez, ça se trouve, c'est un Metroidvania, on le sait même pas. Il est en train de me donner à manger? Nourris-moi, Teddy. Oh oui. Moi, oh, j'ai donné un rat géant, je crois, à la bête. Ce repas est exquis, mais ne peut pas me sustenter entièrement. Teddy, va me trouver des victimes, s'il te plaît, et rapporte-moi de la viande fraîche. Ben oui. Oui, c'était un rat, Capi. Oui, je vais vous servir. Complète le prologue. Ok, déjà, ça marche. J'ai débloqué un nouveau chapitre, chapitre 1. Je crois que je peux pas aller plus loin, je suis pas sûre. Il me semble que je n'ai accès qu'au premier chapitre. Si ça se trouve, le let's play va être plus court que prévu, hein. À voir. Eh bien, ce soir, il y a des reruns de Speedon. Ah bah, je sais, chérie, c'est mon programme télé favori. Oh, bah, c'était une grosse journée. Je vais aller prendre une douche en haut des escaliers avant d'aller en haut, dans le lit. Beaucoup trop de précision. Nous interrompons ce programme pour vous dire que Teddy a encore frappé. Il n'y a pas longtemps, deux adultes ont été retrouvés à Oakhurst. Voilà. Ma traduction, elle est approximative, d'accord? La police recherche Teddy, bien sûr. Donc faites attention si vous êtes un couple ou une famille. Voilà, Resident Evil, tout ça. D'accord? Faites attention. En gros, ils ont retrouvé des restes de deux personnes. Merci, Ryusan. Je peux pas t'utiliser non plus pour que tu sois mon traducteur de la journée. Hein. Merci pour le follow, bienvenue. Contactez la police de Oakhurst si vous avez des informations concernant Teddy, là où il pourrait être. Et n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà. Bon, bah, c'est ça craint, en gros. Ils doivent stopper ce monstre avant qu'il ne fasse de mal à d'autres personnes. Oh, bah, t'inquiète pas, chérie. Y a, autant que je serai là, il n'y a aucun clown qui pourra te faire du mal. Oui, oui, Tyler, on connaît ce scénario de film d'horreur. Hein. T'es trop confiant et c'est toi qui vas mourir en premier. Hein. Sinon, va sortir les poubelles, hein, après avoir regardé le show télévisé. Tu oublies tout le temps. Ryusan. Oui, bah, il a qu'à sortir les poubelles aussi, Capi. Faut sortir les poubelles aussi. Allez, 12 à 10 chis, effectivement. Bon, pourtant, la vaisselle, elle a l'air d'être assez ok. Hein. je retraduis, voilà. Bon, et moi, je vais prendre ma douche, c'est ça? Ah,
Je peux prendre une petite lampe torche si j'ai besoin. En cas d'urgence. Mais bon, il va rien se passer de grave, je pense. Oh, j'ai pas besoin d'aller à l'extérieur maintenant. Ouais, c'est ça, ça va puer, mais c'est pas grave. Scénario typique de film d'horreur, hein. Bah, en gros, j'ai à peu près. Je comprends. En fait, ce qui est chiant quand je traduis, c'est que je comprends à peu près dans ma tête. Mais alors, pour redire ce que je comprends, bah, j'utilise d'autres mots, tu vois. J'emploie mes propres mots, du coup. Bon, là, de toute façon, ils se séparent forcément, hein. Dans tous les films d'horreur, c'est ça, hein. Toilette? Attends, petite douche, déjà, on a dit. Ah, oui, d'accord, on se déshabille pas. Pas de gel douche, pas de préparation d'affaires. Je suis sur le cul que la police n'a pas trouvé, n'a encore pas trouvé ce clown. En aucun cas, je dois aller vérifier mon pistolet à l'étage. Et puis être sûr que ça marche encore, bien sûr. Ah oui, d'accord, je joue deux personnages. Oui, mais elle a dit d'aller faire la vaisselle. Moi, je vais faire la vaisselle, je suis responsable. Donc, il en a rien à faire de la vaisselle. J'aurais un jumpscare s'il y avait le clown là, au moment où je passais la fenêtre, mais ça a l'air ok. C'est ça mon gun case? Bonjour madame! Attendez, on respecte l'intimité. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. Tout a l'air ok. Je vais garder la clé avec moi juste au cas où. Alors, je ferais mieux de redescendre et faire la vaisselle. Ou alors Ashley va me tuer. Mais je pense qu'il y a pas. Je pense que tu vas mourir avant qu'Ashley te tue. Donc bon, finalement c'est une bonne nouvelle. Merci Souva pour le 30e mois. Merci beaucoup. Non mais elle est si grande la maison, genre qui a une maison comme ça qui fait 50 mètres de long? Ah, je suis déjà fatiguée, tu pars en randonnée en fait. Bon, c'est étrange. Oh, la fenêtre est ouverte, tiens. J'étais pourtant persuadée que cette fenêtre était fermée. Ah, oh, d'accord, il l'a mis dans l'inventaire. Classique. Vous avez un sac à dos, vous mettez votre vaisselle sale dedans et hop, ni vu ni connu. Ok. On est mort, on est mort. Ils sont deux, il fait la vaisselle pour six. Ah, très bien, c'est fait. Ah! Regarde, Capi! Je savais! Maintenant, je dois aller sortir les poubelles! Je préchote un dialogue! Trop bien, trop bien, trop bien! T'as vu, je savais. C'est parce que c'est. En fait, dans les films d'horreur, on sort les poubelles. Parce que comme ça, on est obligé d'aller voir le méchant. Par contre, il a mis ses poubelles à la cave. Je peux prendre ça? C'est où la cave? Là, il y a une petite porte, mais... Je regarde que des films d'horreur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est nul. Les films d'horreur de maintenant sont très nuls, par contre. Ah, oh, j'ai regardé sous la scène, là, avec Dame K.O. Elle est partie faire la sieste. C'était nul. Très bien. Allons sortir les poubelles. Oh là, bah comme par hasard. Qu'est-ce que... Wow! Et eh bien ça c'était une scène dans le film que j'ai vu là il n'y a pas longtemps. Est-ce que du coup il n'y a plus de courant? Tyler! Il n'y a plus de courant! Tyler! Oh là là, mais t'es où Tyler? Ah ben c'est habillé en 3 secondes. Salut Kiyou! On s'attendait pas du tout.
Oh là là, il fait noir. Je dois aller chercher la lampe torche. Très bien. Waouh, on est mort. Non, en fait, on regardait le truc là des requins. Et en fait, elle me dit, bon, je vais aller à la sieste. Et moi, j'étais là. C'est nul, c'est nul. Je les ai sortis ce matin, moi, les poubelles. C'est vrai, elle a même pas. C'est vrai, Acta Rose, elle a même pas remis son t-shirt. Sachez que moi, je mets mon t-shirt dans le mauvais sens, dans la lumière. Alors elle est vraiment très forte, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais t'es où, Tyler? Oh! Oh la vache! Heureusement que c'est qu'en pixel art, hein. Ah, Tyler? Oh mon Dieu! Oh, je dois appeler la police. Ça va, Tyler? Tyler, ça va? Oh bah non, mais... Eh, en vrai, j'aime trop le jeu. Je m'attendais à rien. Je trouvais que le pixel art était joli et que ça avait l'air de ressembler à un scénario de film d'horreur, mais en vrai, j'aime bien. Allô, la police! Il a coupé le courant, hein, ceci dit. Hein. Allô? Oui, sous la scène, Good King. Police départementale de Oakhart, c'est quoi votre urgence? S'il vous plaît, vous devez venir dans ma maison. Il y a Teddy et il a tué mon boyfriend. Oh, s'il vous plaît, calmez-vous. Et dites-moi où vous habitez. 1428 Weisshaven Street. Vous devez venir vite, vite, vite. Je ne sais pas où il est. Salut Ender. Merci beaucoup pour le raid, bienvenue. Moi, j'aime bien pour l'instant Capi, ouais. Bonsoir Fireship. Bonsoir Gex Dra. Oh Gex, trop bien ce jeu. Salut Adrien. C'est Oakheart, ouais. Et salut Riolite. Ah, j'adore Gex. Je jouais à Gex, celui en 3D avec la dame en FMV, là. Ah, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus comment il s'appelle, c'est quoi le titre exact du jeu, mais je jouais à ça. Vous faisiez quoi de beau? Ah, je me suis trompée dans le titre. Ah oui, j'arrête pas de mettre Orc-Hurt, je sais pas pourquoi, Mocha. J'attends le remaster des trois. Yes, peut-être un jour. Moi, j'espère que ça s'est passé un bon stream. Là, on est en train de jouer. On est en train de bully Under. Ah, tu faisais du Sekiro? Ça va, tu galères ou pas? Nous, on y va, mais l'année prochaine, hein, je pense. Et là, on a fini, du coup, Blade Runner, le point and click, qui était très très chouette. Et on est en train de découvrir un jeu qui s'appelle Terror at Oakhart, qui reprend du coup typiquement les vieux films d'horreur à l'ancienne. Donc en gros le speech là pour l'instant c'est on a un clown possédé par un masque, t'as même l'animation de The Mask et tout, c'est très chouette, qui du coup terrorise une ville qui s'appelle Oakhart. Et du coup voilà, on joue à un couple, bon il y en a un qui s'est fait assassiner, et puis là on joue Ashley qui du coup est en train d'appeler la police. Il a été lancé il y a 2 ou 3 ans par... Ah ouais, je savais pas du tout. Ok, c'est un arbre. Ah, le cœur de l'arbre, chêne. D'accord, cœur de chêne. Ça marche. Merci, Diptyche. Écoutez-moi très attentivement. Trouvez un endroit safe pour vous cacher et si vous pouvez, trouver une arme. On arrive. Est-ce que le clown va nous choper ou pas? Waouh, waouh, waouh! Comment ça, you died? Ah ouais? C'est quoi mon checkpoint? Ah d'accord, mon checkpoint c'est... D'accord, on peut mourir. Bah, ça veut dire que si on peut pas se faire tuer par le mob, c'est que du coup, voilà. Hein.
Salut Orbach, c'est Kiro, ça y est, c'est parti. Hein. Bon, il faut qu'on court vite alors. Enfin, on peut pas courir, je crois, dans le jeu. Donc, il n'y a plus de courant. Par contre, le vieux téléphone à l'ancienne, il n'y a aucun problème. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Kiro. Ça, c'est parce que j'arrivais pas à jouer à Onimusha 2. Et j'ai eu la bêtise de dire que si j'arrivais à battre le boss, je ferais Sekiro. Bon, j'aurais dû me taire, il y a des gens qui ont clippé, donc c'est fini. Donc j'ai quand même mis à 10 millions de points de chaîne, et les gens sont très persévérants parce qu'on est déjà à 6 millions. Et salut Kaczynski. C'est pas grave, t'inquiète. Bon, on l'a déjà lu. Bah ouais, le monsieur avait l'air d'être obligé de mourir. Vas-y, je peux me planquer dans la douche psychose? Oh, je me suis cachée dans le placard. Pour ça, il ne trouve pas. Il n'y a aucun moment où, quand on se cache dans le placard, on ne voit pas. Il est bête. Il y a. Oh non, il a la clé sur lui! Oh, le nul! Oh, c'est le coffre pistolet de Tyler, mais je n'ai pas la clé. Oh bah oui. Tyler devait avoir la clé sur lui. Je dois trouver le bout de son corps, quoi, du coup. Oh là là, faut trouver le bout de corps. C'est ça. Je vais voir si on peut modder. Tiens, d'ailleurs, Ender, tu sais peut-être, est-ce qu'on peut modder, genre mettre un Sekiro avec un petit chapeau de Noël, par exemple? Ah, il est où le clown? Vas-y, peut-être on peut se planquer un peu, non? X, Pearl. Oui! Pearl! Bah, X et Pearl, c'est grave bien. J'ai pas vu le troisième. Mais c'est génial. Pearl, j'avais fait découvrir à mon petit frère et il a kiffé. Je pense pas que le corps de Tyler soit là. Hein. Il m'a balancé la tête de dehors, ça veut dire qu'il est dehors, non? Maxime vient de sortir. Ah bah merci pour l'info. Moi je pense qu'en vrai je dois sortir. Hein. Ah ouais, Mia, je l'aime trop. Ah non, bah oui, c'était là. Oh mon Dieu, je suis désolée, Tyler. C'est ça. Bon, c'est parti. Vous croyez le clown, c'est la ref à Terrifier? C'est ça le film, hein, Terrifier. Ah ouais, Pearl, vraiment, c'est. Je m'attendais à rien quand j'ai vu le film et j'ai adoré. Très bien, petit Gourgandin. Viens et attrape-moi maintenant. Allez! Allez! J'ai tué le clown? Ouais, je pense que Terry the Terrorizer, c'est Terrifier, hein. Qu'il t'ait dit avec Ashley. Ah ouais, ça veut dire que je pouvais tuer le clown avec un autre personnage? Eh bien, on dirait que le pouvoir marche encore. Est-ce que tu confirmes le corps? Est-ce que c'était dit? Est-ce qu'il est vraiment mort? Ah, c'est lui. Très bien. Je ne peux pas croire que cette jeune femme l'ait neutralisé. Quel bazar. Sarah, emmène-la à la station et fais-lui faire un rapport de ce qui s'est passé. À ce propos, Okkurt va pouvoir redormir un peu plus maintenant que le clown a été neutralisé. Moi? Pas sûr, hein. Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu un trophée qui me disait que j'avais tué avec la fille. Ça veut dire que peut-être. Un an plus tard, mais en vrai le jeu est trop bien, je vous jure.
J'adore. En fait, moi qui regarde énormément de films d'horreur, je trouve tellement de refs. Faut le montrer à Yoichi, ce jeu. Ah bah oui, hein. Forcément, il est revenu, hein. Et il est pas content. Ah non, en fait, je peux jouer au chapitre 2 aussi. Je crois qu'on peut se le faire en une fois, le jeu. Hey Sarah, comment ça va ce soir? Ah, juste encore une nuit ennuyeuse à Oakhurst. Qu'est-ce qui te... Maître Scout, qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, j'étais au camp d'Oakhurst et avec le conseiller du camp et... Oula! Et puis bah il m'a fait un briefing parce que le camp ouvre demain. Et puis du coup à ce propos, j'ai découvert un très très grand chêne. Qui s'est effondré et qui a bloqué le... comme par hasard, et qui a bloqué le pont. Si Adley me rencontre ici, il pourra peut-être m'assister pour bouger le chêne de la route. Et puis, bah, jusqu'à ce que ce soit réparé, on est essentiellement, comme par hasard, piégé ici, bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Ashley Lawrence qui a mis fin au règne du serial killer Teddy, le terrifiant clown qui terrorisait Oakhurst. Il y a une cérémonie pour honorer les victimes de Teddy, et pendant que le tueur est mort, ben, ses crimes ne seront jamais oubliés. Je ne peux pas croire que c'était l'année dernière. Ah, moi je kiffe hein, les films d'horreur, les jeux d'horreur. Non, je fais pas que du RPG. Hein. Je sais, c'est fou. Tu sais, Ashley est au camp d'Oakhurst maintenant. Elle a signé un contrat pour être. Bah, counselor, c'est quoi, conseiller? En gros, c'est maître scout, quoi. Je pense que c'est bien pour elle. Cette pauvre fille. Personne ne doit. Comment je peux dire ça? Ce qu'elle a traversé, quoi, en gros. Personne ne sait ce qu'elle a traversé. Moniteur, ouais, merci. On dirait The Quarry, là, un petit peu. Vous savez, le camp. Les gens piégés au camp et tout. Il va y avoir le tueur dans le camp. Bon, je vais demander à Adley de venir ici et de t'aider avec l'arbre. Merci Sarah. Je vais retourner dans ma cabine. Prends soin de toi. Je dois trouver Adley et lui dire ce qui se passe, en gros. Très bien. Attendez, je veux juste vérifier quelque chose. Est-ce que ça save? Bon, c'est dur à traduire, mais en vrai, ça va. Attendez, je veux regarder quelque chose. Il y a 8 chapitres. Ils sont très courts. Je sais pas si on peut se faire le jeu en entier aujourd'hui, mais est-ce que ça vous tenterait? Parce que là, j'ai mis combien de temps pour faire... J'ai mis une demi-heure? Est-ce que ça vous dirait... Alors, peut-être pas le finir aujourd'hui, mais est-ce que du coup, ça vous dit qu'on se le fasse en entier?
Ça va, je pense que le tout va faire long, mais du coup, genre par exemple, j'ai enlevé Blade Runner, on peut se mettre Terror si vous voulez. J'aime bien là, j'aime bien le jeu. C'est quoi tes display rooms? Ouais, en deux streams. Ah, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'à côté, on peut parler films d'horreur et tout en même temps, du coup. Je pense qu'il fallait que je choisisse ce chapitre. Ouais, voilà. Ah, par contre, du coup, bon, après, je prends du temps parce que je traduis, quoi, mais... On se fait le chapitre 2 et on arrête là. Et peut-être on se fera les chapitres 2 par 2. Hop, on speedrun. Oh, c'est bien, on peut speedrun un peu les dialogues. Ça a pris 3 secondes parce que j'ai pas traduit. Allez, c'est parti. Je dois trouver Adley. Il doit être dans les cellules. L'armurerie, les cellules. J'ai mon petit chat qui vomit. Je sais pas si vous l'entendez. Hey Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Quoi de neuf? Et Adley, le maître scout Beaver a juste est passé par ici et a dit qu'il avait besoin d'aide pour retirer un arbre d'un pont, quoi, en gros. Oui, c'était ça, c'était Céleste qui essaye d'évacuer ses petites boules de poils. Je vois. Eric est en train de travailler sur mon cruiseur, je sais pas ce que c'est en ce moment. Mais dès qu'il aura terminé, je pourrai aller aider Beaver. Oh, à ce propos, Ace te cherchait. Ça a l'air ok, je vais aller le voir. C'est sa caisse, d'accord. Pas de soucis, Ender. En vrai, ça va. Il y a quelques mots qui me manquent, mais globalement, ça va. J'arrive à assez traduire de manière fluide, donc ça va. Cruiser, c'est une voiture? Ah, peut-être. Alors, il est où du coup? Ouais, peut-être un pick-up, ouais. J'essaie de voir où sont les objets. Ok, j'ai encore trouvé. J'ai trouvé des peluches. Ah, je crois qu'on dirait des collectibles, pas forcément obligés d'être trouvés. Ah, c'est peut-être lui. Hey, Ace! Tu voulais me voir? Ah, Sarah, oui. J'étais en conversation radio avec le shérif Russell. Il a besoin que tu ailles chercher sa clé de supply, c'est quoi déjà? Sa clé, c'est faut que j'aille chercher des trucs pour nettoyer quoi les salles de douche, non? Ouais, les fournitures, merci. Pourquoi moi? Il est où l'homme d'entretien, quoi, en gros? Apparemment, il est malade et il peut pas venir ce soir. Alors, je sais que c'est chiant, mais quelqu'un doit le faire. Bah, yes. Ok, très bien. Faisons-le. Comme par hasard, c'est elle qui doit le faire. Comme par hasard. J'espère que vous allez tous mourir. Bon, du coup, hop.
J'ai pris la clé. Bon, j'ai fait un état des lieux s'il y a besoin d'aller se sauver quelque part. Quelle porte est fermée du coup? Razor, c'est une voiture de police. D'accord, oui, je pense que ça se passe plutôt des années 80. Ils ont vraiment repris le style 80. Ce qui est plutôt cool du coup. Alors, les fournitures, où est-ce qu'elles peuvent être? Ça doit pas être dans l'armurerie, hein. Bah non. C'est le garage? Genre tout est dans le garage? Attends. Je vois pas quelle porte je dois prendre. Quand même. Quand même. Salut Intello. Merci pour le 40e mois. C'est un jeu pour toi, ça. Allons bon. Il y a trois portes, je me suis perdue. Break room. Bah quand même. Je suis pas allée où? Pas la récupérer cette clé-là? C'était la clé de l'armurerie. Si, je suis partie 3 jours en week-end. Après, je suis rentrée hier. Ah, voilà. Bah, en fait, c'était là qu'il fallait aller. Ok. Si, je me suis juste fait un petit week-end. Non, cette année, je pars pas. Cette année, je pars pas en vacances, normalement. Normalement. Ouais, c'est trop bien. Ça reprend les vieux films d'horreur. C'est trop trop cool. Qu'est-ce que. Ah, oh, j'ai déjà demandé à Eric de remplacer l'ampoule. Et qui c'est qui a laissé la douche allumée? Oh, quelqu'un me fait une blague. J'ai pas parce que il y a le clown là. Allô? Le dernier, il y a le M, c'était sûr, c'était sûr. C'était sûr. Oh mince. Eh, mais en fait, je crois que c'est comme Maniac Mansion. Alors je crois que c'est comme Maniac Mansion, et ça c'est génial. Je pense que peut-être je pouvais survivre à ça si j'avais pas été voir. Parce que tu vois, je passe à Hadley. Ça veut dire que chaque perso qui meurt, ça passe à l'autre. Comme dans Maniac Mansion. Et c'est pour ça que du coup, j'ai eu un trophée, battre le clown dans le chapitre 1 avec le personnage fille du couple. C'est trop bien. Je vais aller chercher à manger dans la salle de pause avant qu'Eric finisse de réparer mon véhicule. Je pense que c'est un Maniac Mansion-like et c'est génial. À voir, en fait, en vrai, ce qu'on fera, c'est on va faire le jeu en entier du coup par petite session comme ça. Et ben, on vérifiera notre théorie sur le chapitre 1, on le refera. Et je pense.
Elle est belle, hein? C'est Keane qui l'a fait. Bon, j'ai fini Blade Runner. J'ai fini Blade Runner. Ah, il y a des bières, ok. Je devrais pas boire autant. Sinon, les pantalons ne m'iront plus. Je devrais peut-être plutôt me faire un sandwich. Bah allez, c'est parti, petit sandwich. Voyons voir, laitue, jambon, fromage, un peu de lait. Ah bah voilà. Oh non! Je suis morte. Bon, attends, non, là, je peux pas esquiver la mort. Bon, non, mais là, je pouvais pas esquiver la mort. Non, en vrai, je crois que c'est pas possible, en fait. Bon, bah voilà, j'ai fini de réparer la voiture. Allez, je dois aller récupérer mes outils. Mais ils sont combien là-dedans? Ben, je sais pas. Ou alors c'est scripté tout simplement, hein. Maintenant, je dois récupérer mes outils. Où sont tes outils, Ok, ils sont là. Ah ouais, je dois tout prendre? Vas-y, je récupère tout. Ok, je peux aller réparer la voiture. Merci Link pour le raid, merci beaucoup. Comment ça va? Comment s'est passé ton stream? Bienvenue, bienvenue. On teste un petit jeu qui s'appelle Terror at Oakhurst, qui se déroule sur 8 chapitres, qui reprend typiquement les vieux films d'horreur des années 80-90, et c'est un slasher, c'est un clown de type Terrifier qui nous tue nos bonhommes. Et c'est très cool. Non! Oh, on peut pas, je peux rien faire, regarde. Adley, c'est toi? Je suis en train de travailler sur la voiture, mec, mais... Oh, tu peux venir plus tard? Adley? On est mort. Il va nous faire tomber la voiture par... sur nous. Oh, c'était sûr. Bon, bah, il reste plus que lui. C'était quoi ce bruit? On aurait dit qu'un animal était en train de crier. Bon, je dois aller vérifier. Bah oui, bah tout le monde va vérifier. Un par un. Bon, je dois être sûre que la zone est safe. Tu veux pas récupérer les clés de l'armurerie? Ah là, on va voir notre copain mort, là. Oh là! C'était du sang! Midnight Scene. Ah, ça me parle pas. Je connais pas du tout. Oh mon Dieu, mais c'est Adley! Mais qui t'a fait ça? Je dois trouver Eric et Sarah et aller à l'armurerie. Oh là, on va devoir aller voir nos copains. Ah ouais, je veux bien, comme ça je vais vérifier. Bon, vas-y, je vais récupérer la clé. Voilà, allez hop. Est-ce que tu veux pas plutôt passer d'abord à l'armurerie avant d'aller chercher tes copains? Parce que moi je sais où ils sont tes copains et crois-moi ça va pas te plaire. Hein. J'aime bien le jeu. Moi j'adore les slashers donc là je suis ravie avec ce jeu. Oh là là, allez c'est parti, hop. Oh là là, Sarah, je sais où t'es. Attends, attends, attends. Non, y a rien ici. Oh là là, y a du sang. Allume la lumière. Sarah? Oh, pas toi aussi. T'es dans la mouise. Hein. T'es dans la mouise. Juste un slasher, c'est Brice de Nice. À quel moment c'est un slasher? Quand il dit je t'ai cassé, mais ça c'est pas un slasher, ça. Pam.
Vas-y, l'armurerie, vite, vite. Vite, vite. Allez, des munitions, c'est parti. Ok, j'ai un checkpoint. Ok, c'est parti. RT pour utiliser le weapon. Bon, dis donc, allez, c'est parti. Viens là. Oh bah non, bah si tu dois vérifier si Eric est là, dans le garage, bon. Ouais, c'est vrai, Capi, il y a un peu de violence quand même dans Brise de Nice. Je comprends. C'est parti, c'est parti. Oh là! Ah, oh mince! C'est Eric! Oh, quel bazar! Il arrive! Oh là! Hé, le symbole comme pour sauvegarder dans Silent Hill! Ok. C'est quoi ce symbole? C'est quoi ça? Je tire ou pas? Bon, rêve n'importe quoi! Quel... Ah, mais j'ai pas de portée! J'ai pas de portée! À quel moment le fusil, il fait pouette? J'ai la même portée que dans Forbidden Siren! N'importe quoi! D'accord, bon, ok, j'ai compris. Le jeu fait des petits pranks, hein, quand même, hein! Au secours! Vas-y, prête à en découdre. Donc ouais, non, c'est pas comme Maniac Mansion, en gros, t'es obligé d'avoir tes alliés qui meurent. Vas-y, vas-y, moi je... Ok, le symbole. Vas-y. N'importe quoi! N'importe quoi! Oh, ouais. Dis donc. Avec ces petits pas là. Moi je dis je speedrun. Ok, bon, ah, je sais, il faut que je tire dans le propane tank. J'avais pas compris. Salut le rôliste. Allez, j'avais pas compris moi. Oula, il est pas content. Il échappe moins. C'était quoi cette chose? On aurait dit Teddy. Salut, salut le rôliste. Il est bien. Je dois retourner dans le hall, dans le dispatch room et trouver la radio du shérif. Il a besoin de savoir ce qui se passe ici. Bon bah voilà, il peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Attends, il a dit dispatch room. Non, ça c'est la sortie. Alors, dispatch room. Avec la radio du shérif. T'es dans la salle des opérations, peut-être? Et dans les bureaux? Ah voilà, dispatch. Normalement, le clown est mort, hein, c'est bon, hein. Shérif Russell, venez, venez, Shérif Russell, c'est Ace. Salut, Shérif Russell. Va-t'en, Ace. Hein? Shérif Russell, vous devez venir ici maintenant. Ils sont tous morts, Shérif, tout le monde. Teddy est revenu, il est revenu. Oh là là! De quoi tu parles, Ace? C'était quoi ce tir? Ace!
Ace! Snake! Teddy? Maître! Teddy? Tu m'as trahi? Mais j'ai trouvé une... j'ai une proposition à te faire. C'est pourquoi je t'ai ramené à la vie. Merci pour le follow, bienvenue. Le masque a fusionné avec toi, t'autorisant à me servir encore une fois. Mais il cherche un nouvel hôte. La fille qui t'a tué, le masque l'appelle. Alors, rapporte-la moi. The Flesh, je crois que c'est quoi déjà? La chair, merci. Ne va pas se dépenser. Utilise mon enfant pour l'infecter, et alors elle pourra me servir également. Je le ferai. Donc ça, c'est l'enfant qui va venir embêter la fille. Mais je suis trop à fond dans le jeu là. On en refait un, on en refait un. J'aime trop le jeu. On en refait un? Il n'a pas duré longtemps. Allez, on en refait un dernier, puisque je stream pas avant jeudi. Allez, un dernier, un dernier, un dernier. Un petit peu plus tard. D'accord, c'est le scout. J'aime trop, c'est trop bien. Oh, on dirait qu'il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de gasoil dans le générateur. Oh, je dois trouver du fuel à la station et le refueler. Ça peut rien dire. Oh, je dois aussi contacter le camp de Kurt sur la radio et les informer de la situation sur la route. C'est pas mal, hein? J'aime bien, on suit un petit film en fait, hein? Ah bah elles sont toutes en train d'être mises en plus, Pam, les VOD là, ça y est, hein, je suis enfin à jour. Il n'y a plus le montage vidéo de Discworld et tout, là c'est bon. Bah en fait demain c'est mon anniversaire, alors je vous avoue que je streamerai bien, mais en même temps c'est mon anniversaire quoi, donc je me suis toujours dit que je streamerai pas en fait le jour de mon anniversaire. Bah c'est un monument quoi, voilà. C'est du Syncoryu. Bah non, en fait, je suis toute seule jusqu'à 23h30, donc en plus, je suis vraiment seule, seule, seule pour mon anniversaire, quoi. Vraiment la journée full solo. Le problème, c'est que je veux pas de cadeau. Genre vraiment rien. Faut que j'aille où? Attends, il a parlé de quoi? Il a parlé d'une radio? Attends, je peux pas traverser. Monter là? Ah, d'accord, j'ai remis le fuel. Ok. Je dois aller à la radio du... Ok. Là, c'est bon. Fallait que je remette le fuel. Il n'y a pas de feu. Ok, il faut que je fasse du feu dans la cheminée. On est reparti sur des portes de 50 mètres de long. Un petit champignon!
Ok, c'est la radio. Candokurt, vous m'entendez? C'est le maître scout Beaver. Salut Beaver, c'est Lily, quoi de neuf? Ah, c'est bien de t'entendre, Lily. Je souhaiterais te faire savoir que la route du camp est bloquée. L'officier Radley et moi avons planifié de le retirer au petit matin. Malheureusement, vous êtes bloqué jusqu'à nouvel ordre. Oh bah mince, dans ce bazar. Eh ben merci, ça doit être la tempête. Eh ben merci. Merci de m'avoir prévenu. Et puis bah allons nous reposer, voilà. En attendant. C'est une bonne idée. Reste safe et je te préviendrai quand si quelque chose arrive. Pas de soucis. Merci, Beaver. J'ai envie de redire les mots en français, en anglais, mais... Ah, oh non! Max! Il faut qu'il nourrisse Max. Non! Alors là, ça va être la partie... Attention. C'est la partie petits animaux. Qu'on n'a pas très envie de voir. Les gens prévenaient que... Attention, il y a des gens et des animaux qui se font massacrer. J'ai pas envie, pas les animaux. J'ai la flemme. J'ai plus envie de jouer au jeu. Avec KO. Mais bon, KO, elle fait pas attention. Enfin, elle fait pas attention. KO, elle voit une biche infectée par le virus zombie. T'inquiète, elle y va quoi. Est-ce qu'il faut que j'aille là? Non. Bon, attends, c'est Max, ma petite bête là. Ça, c'est pas Max, ça. Attends, je refais toutes les portes. Bon, ça peut être qu'ici. La nourriture pour le dogo. Ah, voilà. Il est où mon dogo? Mon dogo, il va se faire tuer. Mon non, mon dogo. Oh, coucou mon petit père! Allez, salut mon copain! Quel bon chien! Oh non, après Maggie, je vais te nourrir, Max. C'est bon, tu fais pas de mal à mon dogo, hein. Tiens, mon petit père. Voilà. Je dois trouver du bois pour me faire un feu, en gros. Il faut que j'aille dans la forêt. Ok, oh bon, c'est bien, dans la forêt, il y a plein de petits rondins de bois bien installés par terre, c'est parfait. Ok, on peut pas mettre le bois ici. Ouais, c'est clair, le rôliste obligé de finir le jeu pour se venger, hein, c'est sûr. Ok, parfait. Hop! On va mourir là.
Là, on est mort. Mon dogo, j'ai trop peur. Non, il est encore là. Il va tuer mon dogo. Ah, je joue lui. Oh non, oh, s'il te plaît, dis-moi que je peux épargner le dogo. Ok, si je joue le méchant, je vais essayer d'épargner le dogo si c'est possible. Enfin, je suis sûre que le jeu, c'est un petit salopard. Il va m'obliger à tuer le dogo. Ok. Non! Je suis désolée. S'il te plaît, rentre chez toi là. Personne t'aime. Je suis désolée pour ce qui va se passer. Vous n'avez pas la cam! Heureusement! Oh, ma cam, elle marche plus! Oh, c'est pas grave! Ça, c'est marrant! Je savais pas que vous n'avez pas la cam! Oh, non, c'était pas fait exprès! Ah! C'est pas grave! Ah non! Ah non, c'était pas voulu! Bon, c'est pas grave, ça vous fait une immersion full film! Ah bah non, mais c'est que ça a bugué! Oh bah c'est pas grave, en vrai on continue comme ça, c'est pas grave! Non, non, c'est que ça a bugué, la cam a bugué! Bah au moins vous m'avez pas vu à moitié en train de pleurer parce que je devais appuyer sur les touches pour le dogo. Hein. Ah non non, oh, c'est pas grave, en vrai s'il y a pas la cam, c'est pas grave. J'ai pas fait de gag visuel, non, j'étais juste hyper dégoûtée. Je vous fais de l'audio-division, l'audio-description de mon visage, mais vous le connaissez, mon visage quand je dois... Malheureusement, voilà, quand il y a les animaux, vous le connaissez, mon visage. Bon, attends, ça veut dire que je dois aller revoir mon dogo dehors, là, ou pas? Obligé, hein. Oh, c'est pas grave, on mettra la cam pour les prochains épisodes. Mais non, c'était pas volontaire. Je pense que le jeu et la cam n'ont pas supporté d'être l'un avec l'autre. C'est le clown qui l'a mangé. Until Dawn, ils ont prévu de faire une série ou un film, c'est ça? Les petites pelles sur le mur. Non, mon dogo! Max, oh mon dieu, non, non! Non, c'est le Yotap! Mais qui t'a fait ça? Oh non, c'est trop triste. Mais non, mais il l'a mangé, il est mignon, mais... Tiens bon, mon copain, je vais t'aider. Mais non... Qu'est-ce que... Oh ouais? Oh, oh mon bras! Oh là! Oh, je perds beaucoup de sang! Je dois appeler de l'aide! Oh là là! Bon, comment on appelle de l'aide quand on n'a plus qu'un bras? Son sprite, par contre, me fait beaucoup rire. On dirait il est à... Wouhou! Ouais, c'est ça, il est vraiment comme Jack Frost, quoi. Choc-barre.
Waouh! Sais, c'est un peu genre Isaac, tu vois. Avec l'autre, oui, c'est vrai. Attends, il y a la radio. Il y a la petite pelle aussi. Police Dockert, s'il vous plaît, Ace, Adley, quelqu'un, s'il vous plaît, venez m'aider. Oh non, petit père! Il est tout seul parce que tous les policiers sont morts. Allons bon, faut que je joue lui maintenant. On peut prendre le véhicule et conduire. Bon bah c'est parti hein. Putain, le jeu il sait ce qu'il fait hein. De t'envoyer tuer le dogo. À chaque fois il change de bras coupé. J'ai pas fait attention à ça. Chat, oh, tu fais la beauté, mais y a personne qui te voit là. Attends, quand même, quand même. Faudrait que vous voyiez ses lèvres. Je crois que vraiment ça marche plus la cam. Les voir? Oh, si, quand même, faut que vous voyiez ses lèvres. Attends, je crois que j'ai fait un mauvais paramètre. Ah, c'est marrant, je peux pas faire propriété sur ma cam. Trop bizarre. Bah tiens, c'est bizarre. Sur ma scène de cam, elle était désactivée. Bon, au moins comme ça, vous voyez Céleste. Ouais, normal si vous me voyez pas. Je sais pas pourquoi c'était désactivé sur ma scène de cam. Oh, j'ai dû bidouiller un truc, voilà, comme ça vous voyez mon chat. Ah, voilà, il fallait. Waouh! J'ai pris la grosse hache du mémorial. Bah ouais, j'ai plein de bugs. Comment tu vas, mon chat? Oui, j'ai bientôt fini le stream, mais le jeu est trop prenant en fait. Alors attends, la salle de la radio. Salut Churchill! Non, 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 pas de stream, c'est que le jeu est trop bien en fait. Allez! Mince! Ah, chapitre 3. Complété. Et le titre du trophée, c'était Il est derrière moi, n'est-ce pas? Putain, mais au secours! Non, mais voilà, mais je te vois venir, Gex. Non, faut qu'on arrête là. Qu'on arrête là, faut qu'on arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je dois aller dans la dite patch room et trouver Ace et les autres. Non, on peut pas. Le jeu est trop bien, mais on peut pas, on peut pas, on peut pas. Oui, mon chat, j'arrête. J'arrête quand je veux. Elle s'est posée, c'est bon. Bon, allez, non, non, en vrai, sans rire, sans rire. On arrête là? On a la moitié du jeu. On le finira la prochaine fois, d'accord? Point trop l'info. Pense au dogo. Aïe aïe aïe, non, ça fait trop long, ça fait trop long. Non, non, je m'arrête là. Je m'arrête là. Soyons raisonnables.